Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter de prendre trop de gras lors des sorties au restaurant et lors des fêtes comme le jour de Noël. Tout commence avec votre état d'esprit. Si vous souhaitez rester sec, vous allez devoir faire des compromis. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous autoriser un cheat meal de temps en temps, mais pensez simplement à l'objectif de ce repas. En supposant que c'est pour le plaisir, est-ce que vous forcer à avaler cette troisième part de gâteau va vraiment vous rendre plus heureux? 2. Mangez les sources de protéines maigres, les légumes et les fruits riches en fibres en premier. Si vous ne consommez pas assez de protéines sur un repas très calorique, vous pouvez être sûr que la plupart des calories seront stockées sous forme de graisse. Avec des protéines au sein du repas, vous stimulerez votre croissance musculaire. De plus, les protéines et les fibres sont très rassasiantes et bonnes pour la santé. 3. Prenez le temps d'apprécier ce que vous mangez. Au cours de fêtes ou de sorties au restaurant, les gens peuvent manger plus de 75% de nourriture en plus que lorsqu'ils sont seuls. La distraction est l'une des causes principales et par conséquent, ils ne profitent même pas de leur nourriture. Donc si vous vous retrouvez à manger et à parler en même temps, vous avez tout faux. Vous devriez profiter de la compagnie des autres et de la nourriture, mais pas en même temps. 4. Essayez d'éviter au maximum la consommation d'alcool. 5. Ne mangez que vos aliments préférés. Si vous introduisez un nouveau goût au cours d'un repas, cela stimulera et donc augmentera votre appétit et peut vous faire manger jusqu'à 43% de nourriture en plus. Donc avant de commencer à manger, évaluez quels aliments sont disponibles. Déterminez soigneusement lesquels en valent vraiment la peine. Une bonne ligne de conduite pour vous décider est de vous demander pour chaque aliment que vous envisagez de manger combien contient-il de calories au 100 g. Une fois que vous aurez déterminé quel aliment en valent vraiment la peine, contentez-vous de consommer cela. 6. Envisagez de faire un peu de sport avant d'aller manger. 7. Avant un cheat meal, arrivez rassasié. Préparez-vous un snack riche en protéines, œufs, poulet, sardines et en fibres, riz complet, fruits et légumes. 8. Mangez avec de plus petits couverts, des baguettes aussi, et servez-vous justement de plus petites portions dans de petites assiettes. 9. Buvez des boissons zéro calorie en quantité au cours de votre repas. De l'eau, du thé ou du café décaféiné et des sodas zéro calorie sont un excellent moyen d'augmenter le volume et la satiété de vos repas sans rajouter de calories. 10. Ne vous soumettez pas au menu. Si vous mangez au restaurant, la plupart des gens commandent ce qui est sur le menu alors que vous pouvez souvent économiser une tonne de calories avec quelques modifications simples apportées à un repas. Par exemple, demandez au chef d'utiliser le moins d'huile possible, cela peut économiser plusieurs centaines de calories, en particulier pour les grillades. La plupart des chefs utilisent des quantités absurdes d'huile et de beurre dans pratiquement toutes les recettes. Cela facilite la préparation des aliments, mais les calories supplémentaires n'en valent souvent pas la peine. Demandez également s'ils ont des édulcorants hypocaloriques qu'ils peuvent utiliser à la place du sucre. Cela peut vous faire économiser plusieurs centaines de calories supplémentaires. Vous pouvez également leur demander de ne pas mettre de sucre et d'apporter votre propre édulcorant. Demandez aussi à remplacer les accompagnements tels que les frites ou le pain par des pommes de terre, au four, à la vapeur ou des légumes. En conclusion, soyez conscient de ce que vous mangez et de comment vous le mangez. Appliquez ces astuces pour profiter de vos événements extérieurs sans prendre trop de gras. Profitez de la nourriture et de ces moments magiques avec proches à 100%. Vous avez trop peur de ce que les gens vont penser? Amusez-vous. Un bon physique, ça se mérite. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vous laisse sur ce message. Un con, ça vous juge, vous critique et vous condamne immédiatement sans circonstances atténuantes sur la seule foi des apparences. Il sait se montrer zélé pour rallier ses semblables, inciter au lynchage au nom des convenances du respect. Un con, ça chasse en meute et ça réfléchit comme un mouton. Vouloir essayer de raisonner un con ou le changer, c'est perdu d'avance. Plus vous essayerez, plus vous le renforcerez dans ses convictions et plus vous vous viderez de votre énergie. Alors faites très attention à vous, prenez tous soin de vous et à très bientôt.